Bonjour et bienvenue dans notre point hebdomadaire des sociétés de gestion. Nous sommes le 15 mars. CPR Asset Management a enregistré une collecte nette de plus de 5,6 milliards d'euros en 2017. Elle a plus que triplé par rapport à 2016. La société de gestion affiche ainsi 46 milliards d'euros d'encours et se rapproche de son ambition affichée pour 2020, franchir le cap des 50 milliards. Et puis Natixis Asset Management change de nom et adopte la marque Ostrom Asset Management à compter du 3 avril prochain. La société gère plus de 320 milliards d'euros pour ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs. Notre zoom de la semaine est pour Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund, qui investit essentiellement dans des petites et moyennes capitalisations anglaises. La construction du portefeuille s'articule autour de trois grandes thématiques: croissance structurelle, sensibilité économique et revenus récurrents. Sur les trois dernières années, le fonds a délivré une performance annualisée de plus de 29%, nettement supérieure à celle de son indice de référence. Et sachez qu'à fin septembre 2017, la société de gestion gérait plus de 39 milliards d'euros d'actifs. C'est la fin de ce flash, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point avec les sociétés de gestion.